Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 55, versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Au chapitre 1, versets 26 à 24, puis versets 27a. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir en est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour toutes ses œuvres, tous acclameront sa justice. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 20, les 16 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples.
Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu siège près de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu
Yeah.
à des pieds, à mon sous-son.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.